Le printemps est là avec ses fleurs. Et le chien est tout content. Et je voulais vous montrer ma méthode pour tailler l'olivier, donc la taille de formation. Donc ça concerne un jeune olivier, une repousse plus exactement, issue d'une olivier que j'avais rabattu suite à une taille de régénération. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur cette taille de régénération. Je mettrai le lien dans la description. La seule difficulté de la taille de formation consiste à choisir en fait les futures branches maîtresses. Le choix se fait en fonction de leur emplacement par rapport au tronc. Une fois qu'on a choisi la hauteur du tronc, on supprime le tronc au-dessus des futures branches maîtresses. Je préfère pour ma part ne laisser que trois branches avec entre elles un angle le plus près possible de 120 degrés, donc bien réparti. Et comme un dessin est beaucoup plus simple que des explications, voilà. Une fois qu'on a arrêté notre choix, ben il ne reste plus qu'à supprimer toutes les autres branches en gardant bien les branches choisies pour obtenir notre gobelet. Je voulais aussi rajouter que je n'enlève en fait que les branches principales qui ne m'intéressent pas. Sur les futures branches maîtresses, je n'enlève rien ou que très peu pour laisser au maximum des tire-sève. Supprimer bien sûr toutes les branches partant du sol. Ça paraît violent comme taille. D'ailleurs, voilà le commentaire de ma fille qui filmait. Ça, c'est un olivier tout nu. Un bon passage de bouillie bordelaise ou d'oxychlorure de cuivre, c'est encore mieux pour éviter tout ce qui est maladie et cryptogamie. Ça, c'est un olivier en schtroumpf parce qu'il y a du bleu dessus. Un passage de motoculteur, l'olivier apprécie énormément, ça limite la concurrence des herbes bien sûr et ça facilite en plus l'accès à l'engrais qu'on a déjà mis. Et voilà le résultat. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt, au revoir.